Marcus Berg, 4e Thomas Dekker, 5e Alexandre Epinkin, 6e Andreas Kleden et 7e Oliver Zang. Alors les 10 qui font mieux, c'est le 3-6 dans les 7 premiers. C'est superbe pour cette étape. Et superbe étape des Gilles et une fois plus Albazini qui passe de peu à côté d'une victoire. Albazini que l'on peut imaginer certainement député maintenant, Michael Albazini qui était 3e hier à l'issue du prologue, qui termine 2e aujourd'hui aussi, et qui a dû comprendre dans le dernier virage que ce ne serait pas possible d'aller chercher la victoire dans cette dernière montée. Alors, continuez à faire le bruit.